Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouhou. Attendez, je vais appuyer sur le bouton parce que le son est trop fort. Oh, triste. Bon, ça diminue un peu ça. Préférence. Musique. Voilà, ça c'est mieux, je m'entends mieux. Après, il y a quand même de la musique, mais voilà quoi. Bon, après, je fais ça uniquement quand je fais des vidéos sur YouTube, parce que sinon, j'en ai pas vraiment besoin. Hein. Et j'en ai pas vraiment besoin. C'est pas important, mes enfants. Donc, c'est con. Donc, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve sur RPG Maker Face. Et non pas mes fesses. Non, je déconne. C'est pas RPG Maker Face, c'est RPG. RPG, oui. C'est RPG, voilà, vous avez tout compris. Voilà, c'est Peggy la cochonne. Non, plus sérieusement, on se retrouve sur RPG Maker MV et par Face. C'est sur Switch, vous me croyez pas. Voilà, maintenant vous me croyez. Et du coup, si vous voulez, c'est ça qui fait aussi que moi, je peux pas forcément exporter des... Parce que si vous voulez, les autres personnes peuvent exporter... Attendez, je me gratte. Des... Allez, sur le web, quoi, en bref, ils peuvent exporter... Oh, tu te calmes, tu arrêtes de saturer. Vous pouvez exporter tout simplement sur le web des vidéos, quoi. Des musiques. Oh, putain, je dis n'importe quoi. Les jeux, voilà. Je cherchais le nom, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Donc, en bref, quand vous avez la version PC, vous pouvez tout simplement exporter cette version-là pour la poster sur des forums, des sites, la partager dans le monde entier. Mais quand vous êtes sur PS4 ou Nintendo Switch, parce que le jeu est sorti sur ces deux supports, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez pour vous le forum des créateurs. C'est ceci. Maintenant, il faut attendre 10 ans. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Bonus. Oui. Oui. D'accord. Participer. Liste de téléchargement, donc là vous avez posté jeu par exemple. Là vous mettez le nom d'utilisateur, le pays où vous êtes, il y a bien France, hein, mais bon voilà, il n'y a pas Belgique, c'est France automatiquement. Vous pouvez ici en appuyant là, faites recherche de jeu. Donc vous pouvez faire recherche de jeu, donc il ne faut pas attendre, moi je suis en français. Bon, les jeux que j'ai testés sont un peu pourris, j'avoue. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un jeu de la mort qui tue, mais voilà, vous avez... Pourquoi je peux pas bouger? Voilà, vous avez blindé, vous avez pas blindé de jeu, mais vous avez un petit peu de jeu. Tout petit peu, hein. Pas beaucoup, hein. Voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il y a, il y a vraiment rien du tout. Voilà, c'est vraiment la technique du pauvre. Bon, après, le jeu vient de sortir, il faut laisser le temps aux gens de l'acheter, hein, tunas, tunas. Mais ça va arriver. Il n'a pas de nouvelle extension. On va éviter d'aller sur les shops, mais je sais qu'il n'y a pas de nouvelle extension. Donc on va jouer au jeu parce que je vais vous présenter des trucs. Ouais, j'avais pas envie de me casser le cul à couper des trucs, hein, merde. Alors, on va charger mon aventure de Wouhou Coquin. Hop, voilà. Un Wouhou tout doux, de la marque Doux. Oui, parce que pour info, je... Tout est fait via au boîtier de capture en fait. Hein. J'ai acheté un micro de la marque Boya à 20 € là pour que j'ai lié au boîtier de capture. Tout est fait en un boîtier de capture. Ce que je pourrais éventuellement faire, c'est des coupures au moment où je parle pas, mais comme je parle, bah, ça sert à rien de couper. Donc voilà. L'excuse à deux balles pour rien, pour être une grosse fainéasse. Productivité au max. Soyons une grosse fainéasse de merde. Pardon, excusez-moi, c'est de l'émotion. Donc là, vous avez pas mal de trucs. Je peux vous montrer à quoi ressemble... C'est bien, parce que là, au moins, je peux enfin vous montrer à quoi ressemble mon monde. Parce que sur ma chaîne, sur mon Facebook, j'avais pas beaucoup... Il y a que 30 secondes, donc du coup, c'est pas ouf du tout pour montrer des trucs. Ici, je vais pouvoir vous montrer. Donc, vous voyez, il y a tout un bordel, là. Il y a même des maps de test. Je vous montre un peu ici les débuts, hein. Je vais voir si je peux vous montrer un tuto rapidement que j'ai appris. Bien sûr, c'est pas moi qui les ai fait, hein. C'est d'autres youtubeurs, mais je les apprends à ma communauté.
J'apprends et eux, ils apprennent. Et puis, de toute façon, c'est simple, hein. Ils ont appris de quelque part, ça c'est sûr et certain. Ils n'ont pas appris d'eux-mêmes, hein. Même s'ils disent rien, ils ont appris forcément de quelque part que de à grâce à. C'est ce que le gars a dit. C'est grâce à une autre personne qui avait appris la technique du truc que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a, j'ai plusieurs villages. Donc là, j'ai carrément maintenant un endroit paumé que j'ai régénéré, que j'ai généré moi-même. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est généré avec la carte. On peut générer des donjons. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça fait. Bon, par contre, on n'aura pas accès à une map. J'essaie d'accéder au truc pour vous montrer dans ma section de map. On n'aura pas accès à une zone. C'est. Non, c'est pas là. C'est. Attendez, je cherche. Test hauteur, voilà. On n'aura pas accès à cette zone-là. Oui, merci, parce que la carte est, elle est petite. Donc voilà. On n'aura pas accès à cette zone-là. Donc oui, c'est la même carte que RPG Alliance, parce que c'est grâce à lui que j'ai connu ce tuto. Donc je te remercie. Je te remercie, RPG Alliance, pour. Donc c'est une chaîne YouTube, hein, avec 20 000 abonnés, je pense. Oh, je sais plus combien il y en a. J'ai. Donc voilà, il me semble que c'est dans les 20 000 cas. Du coup. Voilà, le jeune homme est connu pour ce genre de tuto. Donc, en bref, il y a juste un problème sur la version PC. On n'est pas sur PC, espèce d'enculé. On est sur la version Nintendo Switch. Donc, on est sur Switch. Réveille-toi, espèce de ou coquin. Donc, voilà. Normalement, de base, il faut foutre. C'était le truc avec les événements. Pour ceux qui ont vu la vidéo du jeune homme, il expliquait que c'était mieux d'utiliser des trucs d'événements. Non, de zones, de régions. Donc, ces trucs-là que je suis en train de me passer, c'est des régions. Mais sur Switch, c'est pour vous prévenir, si vous tentez de le faire, ou sur PS4, je présume que c'est le même, hein, ben ça marche pas. Vous êtes obligé d'utiliser d'autres interrupteurs, donc vraiment les interrupteurs événements. Donc interrupteur événement, c'est ce que j'ai créé, interrupteur off, hauteur, et interrupteur on, hauteur. Donc qu'est-ce que ça permet? Oui, tu ne fais rien du tout. Mais pourquoi il veut pas quitter cet enculé? Pardon. Annuler. Oui! Ah ok, il faut appuyer sur A. Oh mon Dieu! C'est parce que habituellement je joue sur ma Switch en nomade et pas sur avec. Parce qu'en fait j'ai acheté une manette filaire. Parce que je préfère filaire moi. Oui, je sais, je suis bizarre. De la marque Oripad. C'est 21 euros pour 24 euros pardon que j'ai payé. Pour non. Ouais, c'est ça. Pour une Oripad. Et du coup, c'est une manette qui ressemble carrément à la manette Pro, mais qui est moins 3 fois ou 2 fois moins chère que la manette de base. Parce qu'en fait, elle est filaire, celle-là. Si vous n'avez pas les manettes filaires. Oui, excusez-moi, je suis en train de la tirer parce qu'j'ai beaucoup de fil. Vous n'allez pas aimer. Ouais. En bref, celle-là, la manette que j'ai, elle n'a pas de vibration HD. Elle n'a pas le truc Amiibo. Elle n'a pas de vibration tout court. Elle a vraiment le strict minimum, les touches, quoi. Et c'est le but que je cherchais. Et du coup, je vous la recommande fortement si vous êtes un ou pauvre, et que vous voulez juste une manette filaire pour pouvoir jouer sur votre PC. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement ce que ça fait, ces trucs d'événements, hein. Donc voilà, vous avez. En fait, c'est toujours la même chose, hein. Oups. Il faut que je m'habitue, voilà, vous voyez, c'est toujours le même truc, hein. Donc vous allez voir ce que c'est. Oh non! Attendez, je vais couper mon GSM parce que je sens qu'on va me casser les pieds. Je suis occupé. Petit smartphone, ne me dérange pas s'il te plaît. Donc ici, ce qu'on va faire, comme vous entendez, il n'y a plus de son. J'ai fait exprès, j'ai coupé le son dans cette zone-là parce que c'est dans l'écran titre. Vous pouvez mettre comme telle musique que vous voulez pendant que vous êtes en train d'éditer, ou mettre aucune musique. Moi, j'ai mis aucune parce que en fait, je regarde des vidéos de youtubeurs. Enfin, je fais NEAS en même temps que je fais mes créations. Bon, bien sûr, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est RPG Maker Alliance, mais je refais la même chose au Pixel Pro parce que je suis un copieur.
Non, parce que c'est marrant. J'ai pas fait tout copier, mais là, c'est vraiment du copiage à l'identique. Alors, comme vous voyez, les ponts, en fait, le truc d'image, c'est un événement, vous voyez. Et tout ça, je vous expliquerai après. Normalement, au début, l'interrupteur, il s'appelait Tchoum Tchoum. Mais après, je l'ai appelé hauteur. Mais c'est vrai que c'est nul, c'est mieux Tchoum Tchoum, parce que c'est plus rigolo. Donc, du coup, je vais lancer le jeu. Bah, si j'arrive à le lancer, parce que je suis un peu buggé. Voilà, hop, nouvelle partie. Trop cool. Voilà, là, on est dans une map de test, pas de cherche, de test. Donc voilà, vous avez un ou coquin et un ou coquin. Waouh, ça fait une sacrée différence. Donc en fait, cette map, je vous expliquerai après comment on fait. Et si au cas où j'oublie, que grand-mère bien me fasse. En fait, si vous voulez, quand vous passez en dessous, voilà, ça fait ça. Et quand vous passez au-dessus, en fait, les interrupteurs en question qui sont là d'événements changent entre guillemets la position, la page de celui-ci. Et j'ai aussi désactivé dans les timelapse, team machin, les problèmes qu'il y a. Et j'ai aussi ajouté un bloc invisible ici. Vous voyez pas, mais en fait, j'avais mis un bloc d'événements. J'ai suivi carrément au pixel près ce que RPG Alliance a dit. Hein. Tout ça, c'est grâce à lui que j'ai appris. Donc, il y a un bloc qui bloque ici au même niveau du joueur. Parce que sinon, on s'est passé là et du coup, c'est buggé. Et en fait, voilà, tout est pareil, à part cette histoire de trucs de zonage qui ne fonctionnent pas sur les versions console. Mais sinon, je suis quand même fier parce que voilà, comme vous voyez, ça fonctionne, c'est un pont réaliste. C'est en fait comment faire un pont réaliste, en fait, tout simplement. C'est vraiment ça, quoi. Et du coup, c'est génial. C'est trop cool, trop cool. Alors, avant d'expliquer cet événement, parce que je vais vous l'expliquer après, pourquoi pas, ce sera un grand plaisir, je vais vous montrer. Tout simplement ce que j'ai fait. Continuer. Fainéant sur 20, parce que du coup je me casse pas le cul. Voilà. Là, on est dans une zone. On va retourner au début. Ah. Cours, petit roux, cours. Ouh, coquin. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait, la carte, là. C'est moi qui ai tout fait. Alors, attention. Merde, non, ça c'est pas moi qui ai fait la carte, c'est une carte déjà pré. Je vais vous expliquer les cartes que j'ai fait et les cartes que j'ai pas fait. Parce que c'est la moindre des choses, c'est le moindre de respect, c'est de pas prendre le truc. Je peux pas modifier la musique, c'est un peu gênant. Un peu fort, j'ai l'impression quand même. Bon, pas grave. Voilà. Là, on arrive là au début, hein. La musique est forte, je trouve. Habituellement, non, je juste. Voilà. J'adore la musique, mais c'est parce que je m'entends pas. C'est ça qui est chiant quand tu fais des let's play ou des vidéos, t'es obligé de diminuer le son. Bon, voilà. Parce que, comme. C'est parce que je suis une grosse fainéasse, hein, je vous l'avoue, plein. Puisque la technique, c'est que j'ai acheté tout le matériel qui est avec mon Aver Media. Que, pour rappeler, j'utilise un Aver Media Game Capture HD2. Que j'avais acheté à Cash Converter pour 35 € au lieu de 165 et j'avais pas la télécommande avec, donc du coup vous allez dire ouais c'est con, mais tout a été mis à fond par l'autre personne actuelle en tant que 1080p sans compression. Là moi j'ai mis tout à fond parce qu'en fait j'ai acheté du coup une télécommande qui s'appelle de la marque Logitech Harmony 350 qu'on peut reprogrammer par USB. Il y a des milliers et des centaines de milliers de reprogrammations de toute vieille TV, de tout ce que vous voulez. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reprogrammé cette télécommande pour l'Aver Media et ça fonctionne nickel. Toutes les touches fonctionnent sans problème. Sauf mode, ça j'ai pas compris à quoi ça sert. Apparemment, c'est censé, mais ça marche pas. Parce qu'en fait, mode, je pense, c'est pour mettre en 720, mais je sais pas mettre en 720. Je pense que c'est plutôt pour d'autres trucs, mais... C'est pas important en mode on s'en bat les ouf la quête. Et du coup, si vous voulez, du coup, j'ai acheté en plus un micro cravate de la marque Boya. Et du coup, j'ai aussi un casque. Enfin, en bref, tout est automatisé là. Ce que vous avez là en ce moment même, tout est fait en un coup. Parce que j'aime bien la facilité. Donc voilà. Grosse VNH. Ouais, par contre, ça coûte pas mal. Parce qu'en fin de compte, ça m'a revenu au même prix que la Vermedia de base. Mais bon. Ou content, ou content. Et ou pauvre.
Donc voilà, ici vous avez le début où vous parlez. Là, il dit quel joli ou coquin. Trop tchou-tchou. Là, vous avez un raton, un tanuki qui était là et qui a disparu. Il est où? Petit tanuki, tu te caches. Ah, il est là. Regardez, vous avez un petit tanuki ici. Bon, je n'ai pas fait qu'il répond, mais c'est un tanuki quoi. C'est un rensort de raton laveur, tanuki, tanuki. Là, vous avez un cristal que j'ai foiré, que je vais devoir remodifier. Je vais vous montrer ça aussi en tuto. C'est en fait, si vous voulez, ce cristal-là, il permet de sauvegarder de base. Celui-là, il fait rien du tout, c'est une garniture. Hein. Tout ce qui est là est garniture. Hein. C'est ma première map. C'est ma toute première map que j'ai faite quand j'ai eu le jeu. Donc, c'est normal que c'est un peu bizarre et chelou. Parce que je suis quelqu'un de bizarre dans la vraie vie. Au secours, courez mes enfants. Non, j'ai alors, je suis wouhou de moi. Alors, là, vous avez... voilà, là, c'est typique d'une zone piquée. Donc, cette classe ne m'appartient pas. Je l'ai préchargée. Parce que dans RPG Maker, vous avez des pré-maps qui sont proposées par le jeu RPG Maker MV. Et du coup, c'est une pré-map faite. J'ai modifié quelques trucs. Mais non, même pas en fait. J'ai juste ajouté des trucs. C'est pas la même chose, petit coquinou. Petit tchoum-tchoumé. Voilà, donc du coup, j'ai ajouté plein de trucs en plus. Mais c'est tout, quoi. C'est pas folichon. Mais voilà, c'était... D'ailleurs, je vais retirer sûrement ça ou je vais faire les chiottes, là. Les toilettes, pardon. Donc, on verra. Hop, voilà. Donc là, il n'y a rien. Là, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai ajouté un puits là. Ça sert strictement à rien. Ça n'a pas de sens. Et c'est buggé, comme moi, youpi. Et j'ai ajouté l'effet de nuage aussi, c'est pas compliqué. Je vous expliquerai tous ces tutos-là par la suite. Ici, c'est la visite. Merde, on a déjà été là, espèce d'imbécile. Bonjour, petit tanuki. Alors, on y va. Oui, parce que c'est pas un raton laveur, c'est un tanuki. Non, derrière moi, c'est un renard, monde de coquinou. C'est un wouhou coquin. De la secte Tchoum Tchoum Mania. Alors, ici, vous avez... une autre zone que j'ai fait en dernier, qui n'est pas à moi, voilà, c'est le village des pêcheurs, ça s'appelle la map. Pareil, elle est, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, cette map, c'est une map préchargée parce que je suis une grosse fainéasse de merde. C'est surtout parce que moi, en fait, je pense pas publier du tout mon jeu. Du coup, c'est pas un jeu pour moi, c'est une sorte de sandbox à la seconde live. À la Minecraft-like, j'ai déjà dit ça, je sais plus où. Pardon. Du coup, moi, je n'utilise pas du tout ça pour publier sur le web. Je m'en bats les stackettes. Oui, excusez-moi, j'avais des dérangements. J'en ai marre des tocs. Je vais me suicider. Avec des saucisses grillées pour tous. Non, je déconne. Donc, comme vous voyez, en bref, j'essaie de passer là, espèce de ouh coquin. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a aucun événement, il n'y a aucune liaison de map et tout ça, il n'y a aucune tuile liée. Oui, moi j'aime bien aller. On va appeler, nous, au lieu d'appeler ça des maps, on va appeler ça des tuiles, parce que c'est plus rigolo. On va se croire dans Pokémon. Donc, il n'y a aucune tuile liée. Alors, par contre, j'ai fait aussi des maps à moi, hein, des mondes à moi. Par exemple, dans ce petit bazar, vous avez bel et bien un buildage à moi qui n'existe pas. Voilà, c'est ça. Bon, c'est de la merde parce qu'il n'y a rien. Mais voilà, ça, c'est moi qui l'ai fait à 100%. C'est vraiment moi qui ai fait cette zone-là. C'est nul, je l'avoue, parce que c'est petit et du coup, ça doit être nul, je présume, je n'en sais rien. Du coup, voilà, c'est vide. Et ça représente un truc à Pokémon là, enfin non, ça représente surtout le machin qui est à l'extérieur. Et je suis censé en faire des doublons comme ça. Je vais en faire combien d'ailleurs? Je vérifie. 1, 2, 3, 4. Je vais en faire 6, ok. Donc ce que ici je dois faire, mais ça je ferai plus tard, c'est que je copie le truc et je mets 6 fois et du coup le personnage va monter comme ça. Chunk. Pang pang, et puis là le truc sera de côté, chung, pang pang, et ainsi de suite indéfiniment. Et du coup, vous allez vous dire, ouais, en fait, c'est juste. Je vais peut-être ajouter des effets visuels, des personnages et tout ça par la suite, mais c'est vraiment le cadet de nos soucis, on est d'accord. Vous vous en foutez, je sais, moi-même. Je vais m'auto moi-même en foutre, voilà.
Alors, saucisse grillée pour tous, c'est où? Ah oui, c'est pas grave. Donc là, on a une forêt que j'ai customisée. Donc en fait, cette forêt, elle est à moitié pas du tout moi-même. Donc je m'explique. En fait, cette forêt, elle est pré-générée par la carte. Donc ça veut dire que c'est une forêt qui a été déjà faite par RPG Maker MV et par Face. Et du coup, si vous voulez, ben, moi j'ai juste rajouté des objets et j'ai trafiqué un peu, enfin j'ai fait de la customisation et c'est tout quoi. Et c'est tout. Et voilà, du coup ça fait un peu bordel, mais moi j'aime bien. J'aime bien mon monde bordélique. Donc voilà, je vous fais visiter mes petits. Hop. Voilà, donc là on est, quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est une map qui se répète parce qu'en fait c'est une liaison de l'autre bout de la tuile de la map. Donc du coup on revient en arrière, bande de tchoum tchoumeux. J'ai créé des événements aussi, je vais vous les montrer. Hein. Ah oui, mais là on va passer autre part, mais je vais d'abord vous montrer ça, tiens. Donc là quand on arrive à la fin, là par contre ça tombe pas, hop. On arrive dans un endroit illimité. Ah, mais pourquoi t'avances plus? Voilà, en bref, c'est un endroit où c'est infini, c'est rigolo. Je me suis dit, bah, je vais faire ça parce que c'est marrant, voilà. C'est infini, hein. C'est fait exprès d'ailleurs. En fait, vous pouvez faire dans votre... C'est ça que j'ai trouvé stylé. Dans les trucs de propriété de map, vous pouvez faire bouclage, du truc. Et du coup, pour retrouver la sortie, il faut spammer le A. À un moment, vous allez la trouver et la passer. Ben, je crois. Merde, on est plus dans la merde. Non, mais on va sortir. C'est ça un peu le bémol, c'est que du coup on a pas. Voilà, parce que j'ai fait sur la touche d'action pour pouvoir sortir. Ça ne le fait pas automatiquement. C'est une zone où c'est du lol quoi. Ça sert à rien, mais c'est rigolo, rigolo un peu, rigolo. D'ailleurs, je pense que la map. Labyrinthe, je vais faire pareil, je vais faire qu'elle se répète même s'il y a des murs. Comme ça, ça va se donner l'impression qu'il y a d'autres maps labyrinthes à côté pour que ça fasse une map infinie, ultra gigantesque de la mort qui tue optimale. Et du coup, c'est trop cool, trop cool. Voilà. Là, vous avez des fleurs. Oui, je sais pas, je m'invitais jamais chez vous pour décorer, ça ressemble à rien. Voilà. Allez, petit tchoum tchoum, avance. Montre aux gens de tout. Sinon, je vais te tchoum tchoumer. Ah oui, il y a des combats aussi. Oula, on se calme. Hop, je vais vous montrer les combats. Voilà, les combats. Voilà, on a un ouh coquin. J'ai déjà. Voilà, un ouh coquin qui prend des coups. Très très coquinou. Gagné contre mon coquin. Nous sommes coquins. Ah ouais, le truc à peur, c'est un truc que j'ai ajouté en plus. Voilà, ça fait ça. Hop. Combat, magie. Voilà, ça fait ça de magie. Bon, j'ai piqué le truc de foudre hein, pour ça, parce que sinon... Parce que il y a un truc que je vais vous expliquer que je comprends rien, en plus c'est en japonais. Parce qu'il le dit lui-même, RPG Alliance, que c'est mal traduit et il a raison. Du coup, là c'est même encore mieux, c'est carrément en japonais. Oui, le truc n'est même pas traduit, le machin des variables. Enfin, c'est pas une variable, je vous montrerai après. Donc là vous avez des fleurs, on s'en bat les ouh. Donc là j'ai fait un petit truc événement. On va y aller, attention, let's go. Hop, donc. Là je prends mon éther. Oula, c'est quoi ça? Voilà, il y a notre Wubu qui a pété un câble. Saucisse. Pardon, c'est l'émotion. Voilà, il a pété un câble. Alors là on a un Wubu coquin de la secte Tchoum Tchoum Mania Passage. Voilà. Voilà. Joli petit Wubu, trop cool. Trop cool. Voilà. Il est content, c'est un Wubu coquin événement. Voilà, c'est un Wubu coquin événement. Du coup, en fait, cette map, si vous avez compris, c'est la couille du répétitif illimité. Vous pouvez courir dans n'importe quel sens, ça se répète indéfiniment.
Et du coup, bah, vous voyez d'ailleurs, regardez bien l'événement, qu'est-ce qui va se passer. Regardez comme il va se TP. Là, vous voyez, il n'est pas là. Regardez. Il n'est pas là, là, l'événement. Il faut s'approcher, vous voyez. Il disparaît. Hop, TP. Regardez sur la gauche et à droite. Hop, je le TP. C'est parce qu'en fait, c'est une map qui se répète en boucle. Ce qui pose justement des problèmes avec des bugs, comme par exemple le fait qu'on peut... Mais non, mais tire-toi, petit roux coquinou. Je vais te tchoum-tchoumer. Attends, je trouve la zone où il y a un bug. On va trouver. Là, par exemple. Alors, il y a là. Et il y a aussi éventuellement... Attendez, je cherche la zone où il y a un bug. Où on peut traverser. D'ailleurs, je vais mettre des murs invisibles comme l'autre a montré des événements. D'ailleurs, pour réparer ça, c'est pas con. Oui, voilà, ici, regardez. À cause de cette histoire de translation, en fait, comme vous voyez là, vous voyez, il y a un... On voit des entre-trous là. Des trucs où il y a des trous, c'est parce que c'est la map qui se relie. Et du coup, si vous voulez, ben, du coup, ça crée des bugs parce qu'en fait, ces murs-là sont à la fin, à la limite de cette map. Normalement, si vous avez la map normalement, ça fait ça. Ça fait ça, en fait. Vous voyez, je bouge plus, là. C'est pas tout à fait ça, hein, pour le, mais à ce niveau, pour celle du dessus, ça fait ça. Et du coup, l'entrecoupage, c'est un suivi. Et du coup, ça fait qu'il y a un bug comme ça. Et du coup, vous pouvez carrément aller sur ça. Et c'est, vous n'êtes pas censé pouvoir faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une zone d'événements qui va bloquer le niveau du joueur. Là, ben, juste un bloc d'événements pour bloquer le joueur, hein, un mur invisible, pour pas qu'il puisse aller là parce que c'est un peu nul. C'est un peu moche et un peu gênant parce que ben, c'est pas fait pour ça, hein, ça sert à rien et ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'est des petits bugs à corriger. Et vous avez aussi un bug d'ombre, hein, aussi. Regardez, là, à ce niveau-là, vous avez pas d'ombre. C'est parce que, justement, il y a la transition entre le bouclage, en fait. C'est là que vous savez savoir quand il y a un bouclage, c'est à ce niveau-là. Et du coup, ça fait ce bug-là. Il n'y a pas d'ombre qui se fait. Et j'ai essayé de corriger, on ne sait pas. C'est normal parce que c'est au niveau du bouclage de l'ombre, du bouclage, quoi. Du coup, c'est à ce moment-là que ça boucle. Ça s'arrête là, en fait. Et là, c'est un bouclage suivi de là, en fait. Vous voyez, c'est d'ici, c'est ici, en fait, ça reprend là. Et inversement, pareil pour l'autre sens. Et du coup, ça fait un truc infini qui va en boucle. Et c'est trop cool, trop cool. C'est trop bien. Voilà, comme ça, vous savez. Ah oui, et le fameux labyrinthe, en fait, j'ai mis en cachette parce que je voulais, si au cas où, un jour, je publie, mais ça n'arrivera jamais. En fait, c'est là, hein, t'appuies encore sur truc. Et en fait, il est là, le labyrinthe, hein. Il est juste là. Voilà. Et ce que je pourrais faire, c'est que ça se répète. Mais il est déjà assez immense comme ça. Il fait 100 par 100 de taille. Donc, je pense que ça va. C'est déjà pas mal. Donc, du coup, voilà. C'est un labyrinthe comme un labyrinthe, quoi. C'est un labyrinthe, quoi. Hop. Oui, je connais mon truc par cœur. Mais voilà, du coup, là, si vous passez comme ça, vous savez pas. Du coup, je vais mettre des petits secrets. Oula, des petits secrets. Ou alors, je pourrais foutre là, si je suis un gros salopard. Et du coup, mettre juste une zone ça détecte, où j'appuie, en fait, sur le buisson pour passer. Ça pourrait être pas con. Parce que ce serait... Là, je mettrais toutes mes zones secrètes, peut-être. Ah, génial, peut-être. Je vais voir, je vais réfléchir. C'est assez spécial comme technique, n'empêche mon truc. Mais bon, je suis assez spécial aussi, hein. Ou coquin. Je suis assez tchoum tchoum mania. Il est où le ou? Ah oui, l'événement, il a disparu. Il n'y a plus de ou. Ah, il est là. Il ne bougera plus, hein, le ou. C'est parce qu'en fait, vers la fin, j'ai fait qu'il ne disparaît pas, en fait. Il faudrait que je modifie l'événement de fin pour que ça disparaisse. Mais il est bien là, petit roux coquin, il est bien. Il est trop cool, trop cool. Ben, je pense que pour cette première visite, on est pas mal. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo où je fais l'explication des trucs pour pas que ça soit trop long. Donc ce sera le premier épisode de celui-ci. Donc c'est bien, hein. C'est trop cool. Du coup, ce qu'on va faire...
c'est qu'on va se quitter ici. Et je vais faire une autre, moi de mon côté je vais faire d'autres vidéos, mais voilà, ici pour la première vidéo, voilà, c'est la première chose qui arrive, c'est que on va se quitter. Le prochain épisode, c'est comme je vous ai dit, c'est au niveau du truc là, pour vous au niveau du pont, pour vous expliquer, mais c'est pour éviter que ça soit trop long, vous voyez. Donc du coup je vais préparer ça et je vais faire sur une autre map, parce que sur cette map que j'ai fait, la map que j'ai faite, que j'ai pris là, c'était un peu du plagiat de Wouhou Coquin. Allez, je vous dis à bientôt, bande de toutous, et soyez Wouhou de vous-même. À que tout.